Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Tulipes et Folies. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Donc c'est un unboxing que je vais vous faire, mais c'est un lot que j'ai gagné sur la chaîne de Clara DP. Voilà, elle avait organisé un petit concours pour ses 1000 abonnés et j'avais participé et donc j'ai remporté le concours. Et donc elle m'a envoyé mon petit lot par Mondial Relais. Alors ça fait un moment qu'il est arrivé en Mondial Relais, hein, ça fait plus d'une semaine. Mais comme j'expliquais à Clara, je voulais pas le récupérer tout de suite puisque j'avais d'autres colis qui devaient arriver en Mondial Relais et puis pour économiser les trajets par rapport à l'essence. Et bien voilà. De l'autre côté, j'ai mon étiquette Mondial Relais. Donc je vais pas montrer puisqu'il y a mon adresse, il n'y a pas mon adresse, il y a mon nom, et puis voilà. Donc on va ouvrir ensemble. En tout cas, c'est très bien scotché. Merci Clara. L'emballage, il est nickel. Alors je vous mettrai en barre d'infos la chaîne de Clara, pardon, excusez-moi. On voit quelque chose là-dedans. C'est quoi ? Ah non, c'est juste ma fiche, la fiche destinataire. Voilà. Et donc, j'avais remporté une grande toile et je sais plus, il y avait quelque chose d'autre avec. Oh là là, rien que de voir les couleurs. Oh là 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 là, mais j'ai envie de... Oh, elle est trop belle. C'est une toile qu'elle avait eue en partenariat hein, de chez Goodfeld. Voilà. Et donc, oh là 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 là. Elle m'a fait un petit marque-page. Oh là là. Alors, félicitations. Oh, mais elle est trop chou. Elle m'a marqué un petit mot derrière, en fait. Elle m'a marqué, félicitations Laetitia, tu as gagné mon concours des 1000 abonnés. J'espère que ce petit marque-page colorié par mes petites mains te plaira. Reste comme tu es, à bientôt en vidéo Clara DP. Voilà, et donc le marque-page c'est celui-là. Oh mais ça me fait trop plaisir ma belle, t'imagines pas comment. Ouais. Ah il est trop chou. Vous voyez? Bon, on a un peu du mal à voir dans le retour de caméra parce que il y a un plastique. Ah ben attendez, je vais l'enlever. Je vais l'enlever si j'arrive. Il y a un petit plastique autour. Bah non, je ne vais pas y arriver. Non. Bref. Donc, vous l'aurez vu. Hein. Voilà, c'est un marque-page comme ceci. Et donc, derrière, il y a le petit mot de Clara. Voilà, tout simplement. Et ben, merci beaucoup, ma belle. Oui, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Merci beaucoup. Et donc, comme je... Ouh, encore des choses. Donc, comme je vous disais, voilà, hein, j'ai gagné cette merveilleuse toile. Donc, sa toile horloge avec des papillons, des fleurs. Elle est magnifique. Elle est gigantesque et elle est vraiment magnifique. Merci, Clara. Hein, vraiment. C'est donc une 80 sur 60 cm en diamant rond. Voilà. Donc, elle fait 80 sur 60... non. Elle fait 80 sur 40 cm. Pardon, excusez-moi. Mais avec les bords blancs inclus. Donc, du coup, si je ne me trompe pas, si on enlève 5 cm en fait à chaque fois. Donc, elle fait du 35 sur 75. Voilà. Franchement, regardez ça. Regardez cette beauté. Elle est trop belle, cette toile. Mais elle est magnifique. Ah, je vais m'éclater à la diamantée. Hein. Elle est vraiment jolie. Ces couleurs là. Oh, mais j'adore. Alors on va vérifier ensemble au niveau de la colle. Hein. Je doute pas hein, qu'elle colle. Elle colle très très bien. Nickel. Nickel. Et donc, pour vous la mettre comme ça. Alors là, en haut, on retrouve donc par ici la toile du DP. La toile du DP. La taille du DP, pardon. Ici, la référence du DP. Et ici... Ils disent que c'est un diamond painting. Et là, on a la petite photo d'identité, hein, vraiment très petite. Et donc, de côté, en haut à... alors, attendez, si je la prends vers moi. En haut à gauche,
Voilà, on retrouve notre petit tableau de bord. Donc voilà. Et il y a 24 couleurs. Donc les numéros de 1 à 24, les symboles imprimés qu'on retrouve sur la toile et du coup les DMC de chaque couleur. Voilà. Voilà. Donc on a un tableau en haut par ici et on a encore un tableau tout en bas par là. Voilà. Vous voyez? Mais ouais, elle est vraiment trop belle. Mais je suis contente, mais contente. Mais vous imaginez même pas à quel point. Ah ouais, cette horloge-là, ces couleurs, ces sortes de bleu, de rose, de violet. C'est magnifique. C'est magnifique tout plein. Voilà. Alors ensuite, donc là, on a les couleurs. Alors, elle a écrit quoi? Horloge fleurie. Rond, 34 couleurs. 24 couleurs? 24 couleurs. Quel con. Oh, purée. Je ne sais même plus lire, vous voyez? Je perds mes mots. Donc voilà, hein, au niveau des couleurs, moi je ne vais pas l'ouvrir. Hein, mais vous pouvez voir. Oh, il y a vraiment de magnifiques couleurs là-dedans. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, j'ai hâte de la commencer cette toile. Mais bon, j'ai déjà un autre projet pour le moment. Donc je vais attendre un petit peu. Et voilà. Donc ça c'est pour la toile. Alors elle m'avait rajouté avec un stylet. Voilà, qu'elle avait également eu en partenariat, me semble-t-il. Hein. Donc un stylet pour les diamants normaux et les diamants spéciaux, d'après ce que j'ai pu comprendre. Alors, comment? Bon. Oula. Il a abîmé au bout là. Je sais pas trop ce qui lui arrive, mais ouais, il est abîmé. Alors voilà comment il se présente. Hein. Il est transparent avec des petites. Comment dire? Je sais pas si c'est des perles qu'il y a dedans. Non, c'est des petits cristaux. C'est des petits cristaux. Vraiment, il est beau, hein. Il est beau. Donc voilà, là on a une pointe toute fine. Hein. Alors je sais pas si c'est pour attraper les diamants spéciaux ou quoi, ou même les normaux. Faudrait que je teste. Et donc là, apparemment, ça c'est très bien pour les diamants spéciaux à essayer. Mais moi, le bout il est un peu abîmé. Je sais pas si vous le verrez, vous à la caméra. Vous voyez? Ouais, je sais pas trop. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref. Mais encore une fois, merci Clara. C'est vraiment très très gentil. J'ai pas encore testé ce stylet. Donc je suis contente de l'avoir eu en cadeau aussi. Voilà. Alors comment ça marche ça? Ça marche comment? S'il vous plaît. Bon, voilà. Je l'ai remis. Enfin. Alors il y avait une petite mousse de protection. Voilà. Donc, on va le remettre dans sa boîte. Hein. On va pas l'abîmer. On va essayer de pas faire de dégâts. Hein. Ce serait pas mal. Là, le truc. Bon. Alors, je vais laisser ça là. Ça là. Je vais ranger dans mon petit meuble à tiroir qui est là. Et qu'est-ce que j'avais encore avec? Eh bien, elle m'a mis tout simplement deux règles. Donc, voilà. Deux petites règles. Une pour les diamants ronds. Donc, en l'occurrence, là, hein, celle-ci, c'est pour les diamants ronds. Alors, j'espère que vous verrez quand même. Pour les diamants ronds, ça. Hein? Oui, on est bien d'accord que c'est pour les diamants ronds. Et donc là, il y a écrit quoi? Bon, je sais pas à quoi ça correspond, ça, en fait. 189. Là, il y a écrit autre chose. Non, enfin, c'est du chinois. Je suis pas encore à lire le chinois, quand même. Regardez, là, il y a du chinois. Ça, je sais pas. Et ça, si quelqu'un sait, dites-le moi. Je sais pas non plus ça veut dire quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour une petite règle pour poser les diamants ronds, pour les poser droits. Donc à tester, hein, pourquoi pas. Et elle m'a également mis une autre règle pour tester, pour poser les diamants carrés en fait. Voilà. Donc là, c'est pareil. On retrouve toujours la petite écriture par là. Je sais pas si vous le verrez. Ouais. Je sais pas si ça veut dire quoi ça. Et là, c'est du chinois. Toujours du chinois. Bon, bref, c'est pas grave. Eh bien, je suis très 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 contente d'avoir remporté ce concours. Voilà.
Ben, je vais évidemment tester les deux règles, hein, même si je diamante sans, mais oui, elles sont là, donc je vais les tester. Voilà, et donc, ah oui, ben, j'ai oublié de vous montrer. Donc, il y avait le petit toolkit de base avec, hein. Donc voilà, un petit pain de cire, la barquette verte et le stylet rose, hein. Voilà, rien d'autre. Voilà. Eh bien, voilà pour ce petit déballage, 1, 2, 3, ce petit déballage avec vous du lot que j'ai gagné sur la chaîne de Clara DP. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne, pardon. Et ouais, franchement, c'est une fille qui est super géniale aussi. Elle est aussi simple, donc c'est une personne que j'adore suivre. Je regarde ses vidéos très souvent, hein. Voilà, elle le sait, hein, parce que bah, en général, quand je regarde ses vidéos, je laisse quand même un petit commentaire pour dire bah voilà, je suis passée par là. Et bah, ça me fait très très plaisir que ce soit moi qui ai gagné son petit concours. C'est le premier concours que je gagne, et en plus, je gagne chez une personne que j'adore. Donc voilà, c'est très bien. Donc, on avait encore le petit stylet aussi, comme ça, hein. Voilà. Et bien voilà, ce déballage est maintenant fini. Il y a aussi le marque-page. N'oublions pas le marque-page. Voilà, avec le petit mot gentil de Clara. Voilà. Cet unboxing est maintenant fini. Moi, je vais ranger tout ça. Je dois vous en tourner encore deux ou trois autres. Donc voilà. Et bien, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais des bisous tout plein et je vous dis à bientôt. Bye bye.